Salut, c'est Mega Driver 16 sur le jeu Tour de France 2018. C'est la suite et la fin de ma saison 2022 en Pro Leader avec Mega Faster. Bon, on voit ici les statistiques. Mon coureur sprinter américain que j'essaye de faire au fur et à mesure des saisons progresser. On voit qu'il a 55% d'avancement, des notes très correctes à l'issue de cette saison, puisque là on va attaquer la dernière, l'Open Tour, la dernière étape de la dernière course de cette saison 2022. On est très bien parti pour se qualifier la saison prochaine pour toutes les courses d'une saison, à savoir les deux qui nous manquaient, Paris-Roubaix et le Tour de France. Mais là, on va s'évertuer à bien finir cette saison, essayer de faire encore progresser notre méga faster. Si on regarde la note qui nous intéresse le plus, à savoir le sprint, où il est à 79 en ce moment, il faudrait encore gagner une étape de plaine. Il n'en manque pas beaucoup pour passer à 80 en note de sprint, ce serait pas mal. Après, il faudrait gagner des étapes de vallon et gagner le maillot vert sur le Tour de France. Bon, tout ça, on n'y est pas encore. Ce qui nous intéresserait aussi en accélération, il faudrait passer en sommet de la catégorie 3 ou 4, il nous en faudrait encore un pour pouvoir passer à une note d'accélération de 83. 82, c'est déjà très très bon. Donc, voilà un petit peu pour les stats principales qui vont nous intéresser. On va continuer cette fin de saison 2022, donc, avec l'équipe Straw. La dernière course qui va nous intéresser, on a en pic de forme Egg et Pantano. Donc il va falloir essayer de marquer un maximum de points. Faster, il est bon, il va certainement pas avoir des très bons états de forme, mais c'est pas très grave. Il faut savoir qu'il nous a déjà rapporté beaucoup sur cette saison, avec des maillots verts au Paris-Nice, au Sprint Challenge qu'il a même remporté avec le maillot jaune du Sprint Challenge. Le Critérium du Dauphiné nous a ramené aussi, je crois, le maillot vert. Je vais vérifier. Oui, c'est bien ça. Et il l'a ramené également, sur toutes les courses sur lesquelles il a participé, au bout du compte, il l'a ramené également sur le retour qu'on vient de finir. C'est parti maintenant pour débuter l'épreuve. On va pas changer l'équipe. On va juste vérifier quand même. Souhaitez-vous modifier? On va regarder. Est-ce qu'on a bien tout ce qu'on veut? Les pics de forme, ils sont là. Egg et Pantano. Egg qui avait déjà remporté la route Corse en début de saison, il me semble. Bon. Moi, je dis que ça peut être pas mal, hein, ce qu'on a. On va se priver d'Ausson. Mass, ouais, je le laisse au cas où. Ça peut être un bon coéquipier. Course, l'Open Tour, avec sa spécificité d'avoir des étapes très courtes. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. C'est un parcours usant aujourd'hui, avec une partie finale qui devrait convenir aux punchers. Les équipiers des favoris vont sûrement contrôler les écarts pour jouer la victoire dans la côte finale. Ce qui nous concerne, on peut viser une place dans le top 10. Bonne course les gars, allez allez. Alors, on peut viser une place dans le top 10, il le pense avec qui ça? Résultat espéré, ah ben, il nous met rien. Bon, ok. On continue, on va jouer l'étape, forcément. Qu'est-ce qui va nous falloir là? Est-ce que j'essaye encore d'avoir le prix de la combativité avec Mega Faster? Je ne sais pas trop. Galopin Conrad, Mollard, identifié comme principaux favoris pour la victoire ici à 8. Nous, on a normalement deux bons pics de forme avec Egg et Pantano. Ça peut nous laisser deux opportunités pour bien finir. Est-ce que je tente encore la combativité avec notre ami Faster? Et parce qu'il n'y a plus vraiment d'objectif, hein, à avoir au niveau de sprint intermédiaire. On l'a vu, on les a tous remplis. Bon. Peut-être l'envoyer quand même, une nouvelle fois, en échappée. Bonjour à tous. L'étape qui nous est proposée aujourd'hui fait référence au grand classique du cyclisme. En effet, l'arrivée sera jugée en haut du célèbre mur de huit traditionnels juges de paix de la Flèche Wallonne, avec ses passages avoisinant les 20%. À
assurément l'un des kilomètres les plus longs de la planète vidéo. Allez, notre sprinter Black Baraké américain se positionne. Tenter l'échapper directement, voilà. Il a fière allure maintenant. Et là, dans un coin de ma tête, je me dis, est-ce qu'il pourrait pas encore tenter le maillot vert sur cette retour, Mega Faster, si jamais il figure bien sur l'étape de plaine qui va arriver dès demain, je crois. Bon, il y a des coureurs là qui sont intéressés, il y a un peloton qui ne nous laisse pas particulièrement partir. Ah ouais, 19 secondes, 18 secondes, non, ça y est. Attention maintenant au contre-attaque. Contre-attaque, eh ben on va tout de suite la lancer une nouvelle fois. Parce que ça n'a pas voulu partir à la première, essayons la deuxième tentative. On signale une tentative de contre-attaque en tête du peloton. Et puis il y a un col de catégorie 4, quand même. Il faut l'avouer qu'il pourrait être intéressant. Un petit peu après le sprint intermédiaire, donc si on peut être dans l'échappée, faut voir. Faut voir ce que ça donne. On a Chavanel derrière, ça c'est un client. 34 secondes, allez, j'accélère encore. Ah, ça avait l'air d'être pas mal, l'écart qui augmentait, mais c'est plus tout à fait le cas. Ça reste stabilisé autour d'une 20. Un peu le rythme ou tu vas vite le payer. Vous approchez du sprint intermédiaire. Alors, on est à 7 hein, dans cette échappée avec Filosi, Chavanel, Moinard, Marcato, Boué, Boniz. Ok. Est-ce qu'eux, ils ont envie de jouer le sprint intermédiaire? On va vite le voir. Est-ce que ça va commencer à déborder? Non. Ah si, Boué qui y va. J'ai l'impression que là on est quand même bien trop fort pour eux au sprint. Quoi qu'il y en a un sur la droite là qui est pas mal. Là il a pas pu lutter, c'était Marcato. C'était Marcato. Alors on va pouvoir à nouveau accélérer le rythme. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. On participe, hein, y a pas de souci. Bon, je fais une sieste. Réveillez-moi s'il se passe quelque chose. Oh là, oh là, oh là. Alors, est-ce qu'elle va être trop dure pour nous ou pas? C'est Moinard, donc le meilleur puncher. On va voir, est-ce qu'on est capable de lutter? Ça m'a l'air d'être relativement pentu quand même, hein, comme... Ça y est, Moinard qui fait l'effort. Oh, ça y va derrière, là aussi. Eh, mais c'est plus plat au fond, là. Il va plus nous rester beaucoup de rouge. On va la voir. Ah, c'est bien ça. C'est bien mon petit méga faster. Il a fait ce qu'il fallait. Maintenant, on va le laisser tranquille. Parce qu'il n'y a plus trop d'objectifs. L'autre col catégorie 4, ça ne sert pas à grand chose. On va essayer de le laisser dans l'échappée parce qu'il y a la combativité encore à aller chercher. Qui pourrait le faire marquer des points. Il est 9e au classement UCI quand même. Hein. Mega Faster, il a de quoi encore tout simplement rester dans ce top 10 du classement UCI individuel. Ça peut être sympa. Alors, on va nous positionner avec Egg. Voilà. On va demander une bonne petite protection de... Qui c'est qui pourrait être sympa? Il n'y a pas grand monde là. Hein.
Allez, Gorka Izagirre, tu vas nous protéger. Egg, voilà. On avance. On va regarder ce qui se passe. Faster, on va lui demander quoi? On va lui demander... Non. Je me suis trompé. On va lui demander de ne pas collaborer, mais de rester avec... Avec les coureurs à l'avant, peut-être, s'il peut. L'avance de l'échappée diminue. Ça va être difficile pour eux. L'échappée a peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention au contre. Dernier pointage avec l'échappée. Une minute. On va peut-être lui demander de collaborer, là, à Mega Faster, pour le... Encore de finale. 20 km pour les hommes de tête. Ah non. Ils vont devoir unir leurs forces pour tenter de résister au retour du peloton, mais leur chance de victoire paraît maintenant bien maigre. Ouais, la chance de victoire, ça y est, Faster, il a réintégré le groupe. Faire la différence dans le final. Sans sur cette étape, il va pas y avoir beaucoup d'écart. Hein. On est à 10 km de l'arrivée et encore deux difficultés au programme, le mur Saint-Léonard et le mur de Huy. Alors, qui s'est positionné à l'avant? On va regarder, ils nous ont indiqué qu'il y avait du galopin là, qui pouvait être parmi les favoris de cette étape, il me semble. Il va falloir rester aux avant-postes. Commencer à s'exciter peut-être un petit peu. La Goujard. Goujard, il y va à fond, là. Hein. Plankert, d'accord. Il essaie de sortir du peloton. On en plante une petite avec Egg. Vite fait, bien fait, voilà. J'espère qu'on va pouvoir récupérer tout notre rouge à la sortie de ce virage. Après la descente, là, dans la descente. Les coureurs vont pouvoir souffler un tout petit peu dans la descente. Ils devront toutefois rester bien placés pour espérer l'emporter en haut du mur de Huy et de ces fameux passages à près de 20%. Allez, là, on se met en position aérodynamique. C'est surtout pour récupérer du rouge, hein, pour le coup. On va se redonner un peu de bleu. Il va falloir se redonner du rouge aussi. Les 161 coureurs sont bien derrière là. Et Rada, il est présent. Il nous reste quelques kilomètres là. 2 kilomètres pour être exact. Et les coureurs vont tourner à droite. À ce moment-là commencera l'ascension du mur de Huy. Et c'est parti. Les puncheurs vont maintenant pouvoir s'expliquer entre eux. Allez, ça va s'expliquer, c'est parti. Galopin, tiens, normal. Il en fait partie. Un kilomètre, on donne à fond. Allez, Egg, on va rester, essayer de rester au contact. Et Rada, il est bon, hein. Nous, ce qu'il y a, c'est qu'on va plus avoir de rouge, là. Mais on n'est pas le seul. Rada, non, c'est fini pour lui. Il y a Rudy Mollard qui est pas loin là. Ben Swift, oh regardez-moi ce qu'il a fait. Galopin qui en peut plus là. Hein. Allez, on essaye de redonner un peu de rouge, mais non, on n'en a plus. Ah, Gorka Izagirre, il est pas mal chez nous. Qui c'est qui s'impose là? Rosa, Diego Rosa. Pour la Sky, regardez comme il est content son collègue de la Sky. Et voilà, les derniers vont pouvoir arriver. C'est une étape pas mal, en tout cas pour Mega Faster. C'est sûr que nous, on n'a pas perdu de temps avec Egg, ça c'est bien aussi. Allez, les résultats. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de cette épreuve. Mega Faster. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Ah ça, ça doit être Egg. C'est ça. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer.
Et voilà pour notre équipe Straw. Alors, on va avoir les félicitations peut-être. C'est bien les gars, on est à notre place. On visait un top 10 et vous avez fait le boulot. On visait un top 10 et on arrivait 10e. Il faut continuer comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a eu quelques petits écarts? Non, 5. Ah, si, il y a 22 secondes, on retrouve certains coureurs. Genre de Marquis, Roche, Amador. Ouais, c'est bien de leur avoir pris déjà un petit peu de temps. Parce que ça nous donne au classement général. Bon, ok, Thiago Rosa en tête pour le maillot à poids Egg avec ses deux petits points. Il a égalité avec Rosa. Faster a égalité aussi avec Rosa, mais il prend le maillot. Bon, tout ça. Le jaune, de toute façon, c'est bien lui, c'est bien Rosa. Là, on a Guillaume Martin, Soler, Grotschatner, je connais pas, Egg, Oumen et Godu qui sont dans les 5 secondes. Donc tous. Ah non, Guillaume Martin, il est. Oui, il est meilleur que nous-mêmes. Est-ce que Guillaume Martin, il a fait combien de l'étape? Ah oui, il a fait 4e. Ouais, d'accord. Effectivement, il avait quelques petites secondes en avance sur nous. Pour la combativité, c'est méga faster, c'est très bien. Est-ce que ça nous fait gagner des petits points, ça, quand même? Faster, faster, oui, plus 4 points. Egg aussi, il a dû marquer, il nous fait remarquer des points en prenant ce maillot. Ouais, c'est ça, 3 points. Bon. Bah, écoutez, tant mieux, hein. Ça veut dire que nous, on est toujours 13e. Oui, c'est ça. Pas de souci, hein. Je pense que, bien évidemment, la 18e place, elle est quasiment acquise. Donc on a pris des maillots, c'est cool, c'est cool. On revient, Megafaster un petit peu fatigué. Tiens, regardez, on a augmenté une stat. C'est celle de l'accélération. Grâce à être passé en tête de notre 10e col de catégorie 3 ou 4. Ça, c'est du tout bon. Maintenant, il faudrait passer en tête d'un col de catégorie 2. Ouais, ça, on n'y est pas encore tout à fait, hein, mais bon. Là, on a marqué un point en plus. On est passé de 66 à 67 en vallon. En montagne, non, ça nous a pas fait progresser, mais bon. C'est pas bien grave. Voilà, on a continué à augmenter nos stats, c'est bien. On peut continuer. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Ouais. Un maillot vert, il va être important de marquer le maximum de points pour consolider notre première place. On est en mesure de s'imposer. Je compte sur vous pour contrôler la course. Allez, c'est pour nous aujourd'hui. Bonne étape, les gars. Là, ce serait pas mal quand même de s'échapper à la prochaine, plutôt à Gérard Merle-Tenbach. Bon, celle-là aussi, hein, ce serait bien. De toute façon, après, il va être fatigué, il n'y aura plus vraiment d'intérêt. Allez. On va jouer l'étape. Megafaster a quand même encore quelque chose à jouer. S'assurer de la combativité, essayer de marquer encore des points pour consolider son maillot vert s'il le peut. De toute façon, on va jouer avec lui au sprint, hein, dans le final. On a qui? On a Ben Swift, Riquese et Tumolay comme vainqueurs potentiels de cette étape. Identifié par le jeu. Nous, on peut être bien quand même, hein, avec Megafaster, on n'a pas à rougir avec nos stats là, d'un 79 en sprint, 83 en accélération, c'est quand même largement honnête. Megafaster en plus, il est pas mal, ouais, il est plutôt bien même, donc on va à nouveau prendre la main avec lui. Bonjour à tous. La longue route menant à Nancy imposera aux sprinteurs qui souhaitent compléter leur tableau de chasse de mettre leur coéquipier à contribution. Un détour par Verdun sera effectué en hommage aux soldats tombés durant la Grande Guerre. Allez, on est habitué, hein, à voir Megafaster cette saison avec le maillot vert. Ça lui va très bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi l'équipe Straw. Avec beaucoup de vert déjà sur leur tenue, sur leur vélo. Ça s'accorde bien. C'était en prévision d'en ramener quelques-uns. Et pour le coup, on en a ramené beaucoup cette saison.
Donc, qui vient nous aider dans cette échappée? Les pronostics sont très ouverts aujourd'hui. Les baroudeurs ont... Allez, on va voir si ça passe. Ah non, on repère du temps, on en regagne, on en repère. Qu'est-ce qui se passe là? Les punchers seront sûrement déterminantes dans le final pour repousser les purs sprinters. Ah, ça y est. Il y a du monde avec nous. Classé en quatrième catégorie, le prochain Grand Prix de la montagne offrira un point au coureur qui passera en tête. Nous, ça va pas nous intéresser, ce Grand Prix de la montagne, voilà. Mais par contre, ce qui va nous intéresser, c'est après. Ça y est, on récupère un peu de bleu, on est à 3 minutes du peloton, c'est plutôt bien. Général, il ne faut pas faire d'efforts inutiles pendant les étapes de plaine, de manière à avoir le maximum de ressources quand la montagne arrive. Eh bien, la montagne, on n'y est pas. Il y a encore du temps, mais par contre, il y a un sprint intermédiaire qui se profile, et pour essayer d'être bien au niveau du maillot vert, il faut le jouer. C'est le mieux placé de l'échappée pour le classement de la montagne. Allez, on y arrive tranquillement. Oh là, qu'est-ce que je fous là? Faut vite que je revienne me placer. Voilà, un sprint intermédiaire, c'est jamais bon de reprendre la main dans un virage. Alors, il y a pas mal de vent. On se positionne en tête parce qu'on est censé être le plus fort en sprint. Elfarès, tiens. Lui, ça me dit quelque chose, ce nom. Allez, normalement, on devrait le passer sans trop d'encombre. Voilà. Vacoque, etc. Bon, c'est très bien. T'as remporté le sprint intermédiaire. Bien joué. On prend un peu plus d'avance au maillot vert. C'est bien. Très bien aussi. Eh bien très bien, là maintenant on va se positionner, on va demander à Izaguirre encore une fois, ou à Brechel tiens plutôt, il est en meilleure forme, de protéger Egg, voilà, l'actuel maillot à poids. Nous, est-ce qu'on continue ou pas à faire des efforts? Je sais pas trop. Intrinsèquement, c'est toi le plus rapide du groupe au sprint. Mega Faster, je lui dirais bien de ne pas collaborer. On va voir, est-ce qu'on perd beaucoup de temps ou pas. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. 45 km, 2 minutes. L'échappée devrait revenir. L'adversaire hausse le rythme pour résister au peloton. L'échappée, le peloton devrait revenir. Le peloton a une trente de retard sur vous. Le sprint intermédiaire est en léger faux plat montant. Il ne faudra pas produire son effort trop tôt. Oui, c'est pas la peine de nous parler du sprint intermédiaire. Alors, là, par contre, ce que je vois, c'est que c'est Gorka Izaguirre ou Pedersen, tiens, qui pourrait venir essayer de nous aider. Parce que le peloton, ça y est revenu. Peloton groupé. Il faut essayer de rester aux avant-postes. Pour le moment, il y est. Hein. C'est bien. J'aime bien le voir ici, Mega Faster. 10 km. On se dirige vers un sprint massif. Je compte sur vous pour gagner l'étape et conforter notre maillot vert. Il compte sur nous pour gagner l'étape carrément. Ce serait beau, hein, mais bon. On n'est pas encore. Déjà, on va essayer de remonter un petit peu. Faut voir un peu comment... Il reste encore une dernière bosse à franchir. Il n'y a pas de poids à prendre. Mais non, il n'y a plus de bosse. Il est toujours en retard. Car ensuite, il ne reste plus que 7 km pour rejoindre l'arrivée. Tiens, je n'ai pas un autre sprinter qui pourrait venir m'aider, là. Kort Nielsen vient protéger Mega Faster. Egg, il est toujours protégé. Ah, le voilà. Le voilà, mon petit Kort Nielsen, c'est pas mal. Brechel, il vient repositionner aussi Egg, j'ai l'impression. Oh là, là, pour Bozic. Ça se positionne pour Bozic. Ah non, c'est pour Bonifacio même. Hop là. Aujourd'hui, l'arrivée sera jugée au bout d'une ligne droite d'1,5 km.
Ah là, il y en a un qui est parti là. Ah non, on va pas réussir. Très longtemps. Il a été un peu coupé dans son élan. Merde. Je pense qu'il y avait de quoi mieux faire. Je me suis fait surprendre par un dernier virage qui m'a mal placé. Ah, c'est une occasion un peu ratée. Je pense que c'était jouable pour Megafaster. Le résultat n'est clairement pas à la hauteur de mes espérances, les gars. C'est pas catastrophique, mais quand on envisage la gagne, c'est forcément décevant. On perd le maillot vert. C'est pas une journée qui restera dans les annales. Ah, on perd le maillot vert, le maillot à poids, on perd tout là. Donc, on va regarder un petit peu plus. Coquard qui s'impose devant Ricky Zepelucki et Faster. D'accord, quatrième place, c'est quand même honnête. Hein. Bonifazio, Sam Dumoulin, Bottimolei, Maclay qui s'est bien viandé là quand même. Ross, Swift, bon ok, tout le monde est dans le même temps. On va regarder un peu ce que ça donne au général. Bon, pas d'impact particulier. Pour le maillot à poids, pourquoi on l'a perdu ? Ouais, on l'a perdu, mais on a égalité de points toujours. Le maillot vert. Ah, Coquard qui nous prend 4 points. Mais bon, on est encore dans la course quand même, hein, il faut bien le dire. Guillaume Martin toujours maillot blanc. Bon, il n'y a pas vraiment de changement. AG2R meilleure équipe. Et Faster toujours la combativité. C'est même bien ce qu'il nous fait là pour la combativité. Rien de particulier. J'ai posé. Tiens. Ah si, plus 10 parce qu'on se classe 4ème. Et oui, plus 10 pour Megafaster. C'est pas une victoire, c'est décevant. Mais par contre, cette 4ème place nous donne des points supplémentaires. Donc, bonne récupération pour tout le monde. On enchaîne pour la dernière étape de cette vidéo. On n'a pas marqué de points supplémentaires, mais ça c'est pas grave. Là, il y a une étape de vallon qui m'intéresse. On va commencer le briefing de cette étape. C'est un parcours usant aujourd'hui. Avec une partie finale qui devrait convenir au puncher. Et une occasion pour prendre la tête du classement général. On fait partie des outsiders pour la victoire d'étape, mais les pronostics sont assez ouverts et en courant juste, on peut espérer mieux qu'un simple podium. Bonne course les gars, allez. Alors, en courant juste, Izaguirre est notre meilleure chance, d'accord. On verra, parce que d'abord il n'est pas dans un pic de forme, pas du tout. Et j'espère que Megafaster est honnête. Au niveau de son état de forme, on verra. Bambi à Formolo Galopin. Voilà les principaux favoris identifiés par le jeu. Pas de sprinter hein, en vue. Pourtant, le final n'a pas l'air si difficile que ça. Il y a des cols de catégorie 2, c'est sûr qu'il va falloir essayer de passer, mais bon. Allez, mon petit méga. Bon, malheureusement, c'était prévisible. Hein, il n'a pas un très bon état de forme. Egg, il est plutôt pas mal, faudra s'assurer qu'ils suivent bien. Marquer au moins 15 points, ça, j'aimerais bien. J'aimerais bonjour à bien. Tous, c'est une étape en forme de montagne russe qui attend aujourd'hui les coureurs. Si aucune ascension n'est classée au-delà d'une difficulté de catégorie 2, il faudra toutefois rester sur le qui-vive. La succession d'écoles pourrait en effet mettre à mal les moins en jambes. Allez. J'aimerais bien l'initier, celle-là. Parce que si on commence à être loin, ça va être chaud pour aller les récupérer, surtout que c'est pas notre terrain de prédilection à Megafaster. Donc c'est bien, on a pu lancer cette échappée. Ça relance derrière. N'oublions pas qu'il n'y a pas de zone de ravitaillement, hein, donc il faudra faire gaffe à Vichot. Ça c'est un client pour ce col de catégorie 2 qu'on entame tout de suite. Le peloton, est-ce qu'il est à même de nous laisser partir? Je dirais que c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, Vichot, viens. Et prends ta relève, là. Vas-y, je me mets derrière toi. Histoire d'être un petit peu protégé. Le peloton, 45 secondes. Bon. Ça se cherche encore, hein, côté de l'échapper. Secondes, rien n'est fait. Pourquoi il n'arrive pas à revenir là, les gars derrière? C'est si dur que ça? 50 secondes, ah ben là, on est passé de 50 secondes à 40 secondes, c'est du n'importe quoi. Pas négliger une telle étape. Avec 24 points maximum à prendre, se lancer dans une échappée au long cours peut en valoir la chandelle.
Là, il y a des grimpeurs quand même, hein. Ça va être chaud. Ah merde, le peloton qui revient. L'échappée n'aura pas été loin. Attention maintenant au contre-attaque. Et bien la contre-attaque, on va en mettre une tout de suite. Avec Mega Faster qui est encore intéressé. Attention, ça vient pour plus d'énergie pour attaquer. Ah, Mega Faster là, il est seul à partir. Allez, allez. 19 secondes, 20 secondes, on y va petit à petit, on prend un petit peu de temps. Ce serait beau hein, si on arrivait à être seul en haut. Une tentative de contre-attaque en tête du peloton. Ah merde, 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 qu'est-ce qu'ils font là? Voilà, la Mertink. Ok, je visualise mieux. Oh là, attention, ils arrivent comme des boulets. Allez, reste avec Warbass si tu peux. La Mertink, il est seul devant. On est avec Vichot. Oh, c'est dur là. C'est très dur. Ils nous font du gros gros boulot devant là. Dans les bosses, dans l'école et sur le plat, il ne lui manque qu'une bonne pointe de vitesse en cas d'arrivée à plusieurs. Allez, même si j'arrive pas à avoir ce col de catégorie 2, essayez de rester dans l'échappée quand même qui a l'air de prendre forme là. Fui. Ouais, ça c'est plus fort que nous en montagne, hein, clairement. Là, on est obligé d'être à bloc, donc on ne peut pas récupérer de rouge. La Mertink fait tout pour faire vivre l'échappée, mais ça veut dire qu'on ne peut pas traîner, on ne peut pas se permettre de traîner derrière. Donc pas de récupération de rouge envisageable pour le moment, ce qui est bien dommage parce que ça veut dire pas d'accélération possible. Pas d'attaque possible. Ouais, c'est parti pour être la bonne, c'est probable. Là on peut peut-être récupérer un petit peu de rouge tout doucement. Warbass qui demande une Bon, on peut pas faire grand chose là. Hein. Est-ce que je prends mon rouge? Après ça, je vais être obligé de tout prendre de toute façon. Allez, courage les gars. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Oh, ça y va là. Merde. Merde, il y avait de quoi le faire celui-là aussi. Il y avait de quoi le faire. Il y avait de quoi le prendre hein, celui-là. Bon, là, je pense qu'on peut se permettre d'accélérer. Est-ce qu'on peut tenir le coup avec eux là? 2 minutes 17, c'est rien. Là, c'est bon, on va pouvoir récupérer un peu dans la descente. Le peloton n'a pas l'air de réagir. Je crois que c'est parti pour être la bonne. Là, ça nous fait mal. À 2,7 km. On a encore du rouge. On ne l'a pas utilisé, là, pour le coup. Le bleu, on va le prendre. Ouais, ce grimpeur, c'est sûr que le pourcentage est pas monstrueux, mais bon, j'ai des punchers bien meilleurs que moi. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Fui, le meilleur puncher. Est-ce que c'est relativement plat ou pas?
Merde. Ah mais j'avais de quoi le passer ou encore celui-là, je me vautre à chaque fois. Bon, Bichot, c'est quand même un sérieux client. Restait pas beaucoup de rouge. Tant pis. Tant pis, hein. C'est pas évident de devenir meilleur, de marquer des cols de catégorie 2, hein, comme ça. Bon, là, par contre, j'espère qu'on sera bien sur ce sprint intermédiaire. Marquer des 20 points, c'est important pour envisager éventuellement le maillot vert. Ils sont où, là, les gars? Ah, il y en a qui y vont quand même, hein. Mais je rêve, Vichou, il nous bouffe tout. Je rêve, hein. Et Vichou, soi-disant plus fort que nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En sprint, c'est pas possible de voir ça. Et est-ce que Cocard, là, il va passer d'ailleurs... Je sais pas où il est, Cocard. Ils sont pas encore passés, ça y est, ils arrivent là. Tim Molay, Swift, Bonifacio. Ah ouais, Cocard, il a pas voulu passer. Tiens, j'ai même un coureur à moi dans l'Astro, là, qui est 13e. Pourquoi pas? Les deux prochains grimpeurs sont presque identiques. Court, pentu et classé en deuxième catégorie. Alors, Vichot, là, je lui mettrais bien une petite tape, là. Ah, mais oh, il nous choure tous nos points, là. Donc, l'un dans l'autre, hein, on a quand même fait deuxième place à ce sprint intermédiaire. Ça veut dire qu'on a récupéré le maillot vert virtuellement pour le moment. Maintenant, comment ça va se goupiller, là, avec ce... Il y aura 5, 3, 2 et 1 point à prendre pour les 5 premiers coureurs qui franchiront le Grand Prix de la Montagne. Vichot toujours fringant. La Merting qui accélère un peu le rythme. On accélère un peu. Les adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. Ah, il est plus pentu celui-là, hein, ça va être chaud. C'est pas tout à fait la même donne que sur les précédents. Donc là déjà, si on restait avec eux, ce serait pas mal. Envisager d'aller remporter ce sprint intermédiaire paraît très ambitieux. Enfin, ce col grimpeur. Ouais, parce que là, ils y vont, là. Ils y vont, nous, on n'aura pas assez de bleu pour pouvoir faire lutter avec eux, je pense, hein. Dès là, on se positionne, on est un peu en retard par rapport à eux. Eux, ils vont commencer. On n'a plus de bleu. C'est ça le problème pour nous. Et regardez qui encore? Vichot. Vichot qui nous dit. Qui nous fait très mal. Vichot qui nous fait très mal. Bon, Mega Faster, ça y est, il remportera pas son étape de Vallon, hein, une 57. Est-ce qu'il peut revenir un peu là? Il est à 18 secondes, 20 secondes. Voilà, il en bouffe là des secondes. Hein. Faites attention au contre. Ah, ça y est. Récupéré par les autres. Bon, ben, Egg, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On demande à tout le monde de rouler fort. Assurer tempo minimal. Assurer tempo élevé. Pas pour Mega Faster, hein, qui lui peut rester tranquille maintenant. Ne passe sans à-coup. Ils sont toujours 4 devant. J'espère surtout qu'on va aller déloger Vichot qui nous aura fait chier toute l'étape. Ah mais ils reprennent du temps quand même, j'hallucine.
ils ont une de ces réserves, les coureurs JP là devant. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Alors, comment ils sont là tous? Il leur faut du bleu. Ah mais c'est tout plat ici. Travichou, ils vont encore aller engranger un max. Parce qu'il a l'air clairement d'être le plus fort. Ça fait quand même 3 cols qui passent en tête. Ouais, il y va. Il y va le Vichou. Il ne va pas avoir de concurrence encore une fois. Regardez. Impressionnant. Impressionnant Arthur Vichou. Je serais curieux de voir d'ailleurs son état de forme quand on aura fini cette étape. Allez, positionne-toi en aérodynamique, s'il te plaît. En tout cas, je pense qu'il peut dire adieu à la victoire d'étape, hein, quand même, pendant Vichou. On n'est plus que 54 coureurs. Hé, Coquard, il n'est plus là, ça c'est bon, ça. Faut surtout pas qu'il revienne, le Coquard. En tête du classement général. Ouais, Tico Rosa, mais c'est pas grave, ça, on s'en fout. Les Vichou, ils continuent, 17 secondes, là. Comment ils sont, moi, les autres? Ils en peuvent plus. Egg. Alors, Kurt Nielsen, Brett Schell, alors vous, vous arrêtez aussi, tranquille. Hop. À l'avant. Izaguirre, il est pas mal, hein. Izaguirre, il protège masse. Bon, c'est n'importe quoi. On va demander à Pantano. Qui est le mieux là? Bon, Pantano, il va venir nous protéger. Egg. Et c'est lui, c'est Izaguirre qui va attaquer. Ok, je vais attaquer. Mas, Izaguirre. Mais Mas, qu'est-ce qu'il fout? Ah merde, le meilleur verre est revenu. Après, il y a encore une petite difficulté, c'est ça. Ne soit pas répertoriée pour le classement de la montagne, elle pourrait être décisive pour la victoire d'étape avec ses 5 km à 4% de pente moyenne. 10 km de l'arrivée pour la tête. Ça va être compliqué pour eux, surtout avec la bosse d'arrivée. Ah mais alors, qu'est-ce qu'il fout, Mas? Ah ouais, il protège. Pour faire la différence dans le final. Toi, tu peux lâcher l'affaire, hein. Tu peux lâcher l'affaire, mon petit. Attends, méga faster, tiens. Voilà, lui, on va le laisser partir, hein. Izaguirre, il y va. Si les autres suivent, on essaye de suivre aussi, quand même. Il passe à l'offensive. Oula! Mais je suis con, moi. Allez, récupère ton bleu, mon gars. Récupère. Oui, il est en fringale, on dirait. Ben oui, bien vu, débile. Coquard, il est là, il est en arrière-plan. C'est ça, c'est Pedersen. Ah, oh, mais ça continue à bourrer devant. Je me suis laissé avoir. Je crois que Coquard, il a fait rideau. Hein. Ça, par contre, ça c'est bon pour nous. Par contre, ce qui est moins bon, c'est qu'elle est où cette descente là? Ah, voilà. Elle arrive.
faut qu'elle arrive très vite là. Parce qu'on n'est pas bien avec Egg, on a mal joué le coup. Avant de connaître le nom du vainqueur du jour. Voilà. Vu la physionomie de la course, il est plus que probable que ce soit un sprinter qui inscrive son nom au palmarès. Mais comment il roule ? Plus que 5 km. Elle s'est bien placée pour éviter de perdre du temps à cause d'une cassure. Ouais, cassure ou chute. C'est bon, Coquary, il est loin. Il remportera pas l'étape. Oh là là, que c'est compliqué cette histoire. Izaguirre, il n'en peut plus. Pantano, par contre, il en peut encore. Ah, mais si je lui demande d'attaquer, c'est moi qui vais me mettre dans la difficulté. Donc Izaguirre, tu te calmes. De toute façon, il n'a plus rien à faire. D'accord, je l'attends. Pantano, faut qu'il vienne nous aider là. Parce que là, ça va accélérer. J'ai peur qu'il y ait des secondes de comptabiliser. Et c'est parti pour le sprint. Il essaye de sortir, attention. Alors, Pantano, tu viens aider Egg. Voilà. Oh là là, que c'était compliqué cette fin d'étape. Est-ce que des écarts auront été pris? Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. On va regarder les résultats une fois que les derniers seront arrivés. J'espère qu'il n'y aura pas eu d'heure délai, surtout pour Megafaster, bien sûr. Allez, on devrait voir Megafaster s'il n'a pas été éliminé. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de cette épreuve. Megafaster. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Eh oui, on peut l'applaudir. Par contre, maintenant c'est sûr, on ne va pas prendre d'autres points supplémentaires en sprint. C'est dommage. Pas de victoire à notre actif. Mais bon, ce sera l'objectif de la saison prochaine de passer à 80 en sprint. On avait les moyens de jouer les premiers rôles et on n'attaque même pas le top 10. C'est décevant. Ah merde, il est à 30 secondes, ce con de Egg. Non, c'est pas vrai, ça. Oh, les boules. Les boules, il y a une toute petite cassure qui s'est faite là et on est dedans. On est dedans avec Egg, c'est vraiment dommage. Solaire et tout ça, ils sont bien devant, ouais. Ça c'est pas bon. Allez, le maillot blanc, on va mal nous montrer au niveau des jeunes comment ils sont arrivés aujourd'hui. Bétiol, ouais, bon, lui c'est pas un danger, pas un danger. Guillaume Martin, voilà, il est dans les meilleurs, tout comme Godu. Tout comme Oumen, Solaire, Carty et Egg. Bon, ben, c'est dommage. C'est vraiment dommage, cette cassure. J'espérais, j'ai cru qu'on ne l'aurait pas dans la tronche. Et puis, finalement, on l'a. Donc, Diego Rosa toujours en tête. Nous, on a donc Guillaume Martin. C'est le meilleur, mais il est loin. Faster. Non, là c'est Vichot, pardon. Bah oui, il nous a fait une telle démonstration. Vichot, largement en tête du classement maillot à poids. Faster qui prend la tête du maillot vert, et ça sent bon parce qu'il peut le ramener hein, dans le final, gagner le maillot vert de cet Humped Tour, je pense. Egg, au maillot blanc, et ben il est loin. Il est loin, il est 8ème à 35 secondes du leader Guillaume Martin. AG2R, la mondiale meilleure équipe, et Faster à la combativité. Ça, c'est quasiment... c'est fait, c'est bon. Il va remporter aussi la combativité, donc ramener des points à l'équipe et lui à titre personnel pour son classement UCI. C'est la fin de cette première partie d'Open Tour de mon Pro Leader. Je vous donne rendez-vous pour la suite et la fin de cette saison dans la prochaine vidéo Pro Leader. À plus tard.